Donc tous s'abonner bis autour chez mon compte officiel pour vous information sur l'article de la Karim Mokondi la baronne Nayeli Soussou Toko Bunda Nanzoto Té Bigot Faya Boum Faya A Karim Mokondi c'est juste un bigot Karim Mokondi la baronne culturel, tout est côté politique, donc tous abonnés, chez mes gars, mon YouTube chez Mokondi officiel. Apocalypse 14, 13, et je sais.
félicite, heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres suivent. Amen. Comme l'apôtre Paul, notre frère bien-aimé, le berger Saint-Faurien de Montambo, pouvait dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. 2 Timothée 4, versets 7 à 8. Amen. Voici des paroles fortes qui nous donnent d'espérer toujours à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et de croire que cette cérémonie d'hommage n'est qu'un au revoir. Nous allons certainement retrouver notre Seigneur et tous ceux qui nous ont dépensés dans la gloire. Sans aller plus loin, je voudrais, avec votre permission, qu'on confie cette cérémonie d'hommage de notre frère au Seigneur Jésus. Pour atteindre ce couronnement, et c'est ce que Paul a fait, et nous allons le prêter à notre berger Saint-Faurien Moutomo. La première des choses, la première étape à franchir, c'est qu'il combat le bon combat. La deuxième étape, il achève la course. La troisième, il garde la foi. Et la quatrième, il est couronné de gloire. La première étape, c'est dans la première portion de notre passage, ça dit quoi? L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Combattre ici, c'est quoi? C'est lutter pour les difficultés, lutter pour les dangers, lutter pour toutes sortes de situations. S'efforcer d'avoir un extrême zèle, obtenir quelque chose. Un extrême zèle pour obtenir quelque chose. Et le bon combat ici, c'est simplement une expression pour parler du bon combat de la foi. Mais qu'est-ce qu'on parle? Quand on parle de foi, ce n'est pas ici dans le contexte la foi que nous avons seulement en Christ, mais ici ça désigne l'évangile ou les saintes écritures. Quand on parle de la doctrine chrétienne, c'est ce que la foi en évangile, l'évangile, la parole de Dieu, la doctrine. Donc Paul, quand on parle de Paul ici, quand on dit qu'il a combattu le bon combat, Paul s'est efforcé d'avoir un extrême zèle pour conserver intacte la foi au sens de l'évangile. Il a combattu pour garder la parole de Dieu. Il n'a introduit aucune erreur, aucune falsification dans sa prédication, dans son enseignement. Il les a maintenus intacts, vrais et purs. Partout où il passait, il a créé des églises, il a fondé des églises, et partout où il passait, il s'est vertué à dire aux responsables de ces églises, à ses enfants spirituels, de garder le bon dépôt, garder la bonne doctrine. C'était ça le combat que Paul avait choisi de mener. Et c'est 2 Timothée 1, verset 14 qui le dit, garde le bon combat par le Saint-Esprit qui habite en nous, quand il s'adresse à Timothée. Il dit, le plus important, c'est que tu combattes ce combat, c'est celui de la doctrine. Que toute ta vie, Timothée, c'est le combat que j'ai mené. Et je te laisse avec cette marche, mais le plus important, c'est que tu combattes ce bon combat. C'est le bon combat que notre berger Saint-Foy a mené, avec brio. Il s'est efforcé d'avoir un extrême zèle pour conserver intacte la foi au sens de la nouvelle doctrine. Il n'a introduit aucune erreur, aucune falsification dans sa prédication et son enseignement. Il les a maintenus purs et intacts et vrais. Le berger Saint-Foy a refusé de se mettre tout autre combat. C'était le combat qu'il avait choisi de mener.
Il a décidé, refusé de combattre l'argent. Il a décidé, il a refusé de combattre les biens matériels. Il a décidé de refuser pour la gloire de ce monde. Mais il a dit, je combattrai le bon combat. Il a travaillé fort pour s'approprier la nouvelle doctrine, pour être un bon enseignant, un excellent prédicateur. Il savait toucher les cœurs avec la doctrine. Il a parcouru les nations pour mener ce bon combat. Il a enseigné, il a prêché, il a prié pour des délivrances. Aujourd'hui, les frères du Congo, les frères du Gabon, la Côte d'Ivoire, l'Europe, vous avez peut-être pu vous en rendre compte pour ceux qui étaient là hier, il y a des gens qui le suivaient d'un peu partout à travers le monde. Parce que le berger Sefo, c'est un grand serviteur de Dieu. Il avait décidé de mener le bon combat. On peut donc lui prêter ces mots. Quand je vous rendais parmi
Mamie,
Parti bébé OCFAIO Ezanakati ya Sepela TV Bouquet comme il y a un bouquet boy au tien à poche voyager dans aucun partout lingi na bouquet no ya Sepela TV Sepela TV mais ma bison n'est pas ma bison on a 4K machine ma daka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Donc, tous abonnés, bisous tout, chez mon compte officiel. Vous avez information, nous sommes en train de vous donner. Karim Mokondi la baronne, Nayeli Soussou, Tokobunda Nanzotote. Big up, fire, boom, boom, fire. Akari Mokondi, c'est juste un big up. Karim Mokondi la baronne. Culturel, tout était côté politique, donc tous abonnés, chaîne à mon YouTube chez Mokondi officiel.